Monsieur De Calan, la sortie de la millionième voiture coïncide dans votre usine à une promotion de l'emploi, je crois. Oui, c'est un moment très important d'abord pour notre société, puisque ceci marque le développement et l'importance de la Genève, mais je dirais aussi pour la région, puisque vous savez, comme la presse l'a annoncé, que c'est ici que nous allons monter également la nouvelle 6 chevaux, et nous devons créer d'ici la fin de l'année 3000 emplois supplémentaires. Ce qui fait au total vivre combien de familles d'ouvriers dans la région? Ce qui fait au total, au point de vue nombre d'ouvriers, 12 000 ouvriers dans nos deux usines de Rennes. Si nous regardons le personnel que font vivre ces ouvriers, la moyenne nationale est à peu près 4 personnes par ouvrier, ce qui représente 48 000 personnes. Mais les emplois directs et indirects que nous avons créés représentent largement 50 000 emplois supplémentaires. Ce sont donc 100 000 personnes qui, ici, vivent de nos usines. Quelle est l'origine de la main-d'œuvre ici à Rennes? La main-d'œuvre d'origine à Rennes, ici, est essentiellement rurale. Et nous avons en face de nous un phénomène nouveau, qui est le signe d'ailleurs d'un nouveau style de vie. Ce sont des ouvriers qui, dans l'ensemble, sont restés ruraux, c'est-à-dire qu'ils ont conservé leur habitat, viennent travailler à l'usine, et un certain nombre d'entre eux, environ 18% environ, ont gardé une petite exploitation de type familial qui leur permet de rester chez eux en utilisant leurs loisirs. En somme, un travail à l'américaine. Un travail à l'américaine, certes, mais avec un aspect très français. C'est que la mobilité américaine n'existe pas ici. L'homme est accroché à son terroir qu'il aime et reste chez lui. Est-ce que vous pensez que l'industrie doit suivre l'habitat, ou tout au moins la fixation de l'habitat dans une région? Eh bien, je pense que l'industrie doit tenir compte de ce phénomène qui est irréversible. C'est-à-dire que c'est un devoir pour l'industriel de fournir le travail correspondant. Et c'est ce que nous venons de faire dernièrement. Nous avons, de façon à maintenir la stabilité de l'emploi, malgré les diminutions de crédit, de vente à crédit, qui auraient risqué de diminuer, comme la presse l'a indiqué, la vente des voitures moyennes, nous avons retransporté des fabrications de Paris ici de façon à assurer la stabilité de l'emploi. Je pense que c'est le côté très intéressant de nos usines. C'est un travail assuré d'une façon constante et stable.